Organisé à Dakar depuis 3 jours, une réunion en vue de la mise en œuvre d'un fonds pour la préparation et le financement des projets dans les secteurs des transports et de l'énergie. Comme vous le savez, la CEDEAO est confrontée à d'importants défis dans le secteur des infrastructures. Nos pays, depuis les 10 dernières années, ont connu des taux de croissance de l'ordre de 5 à 7%. Malgré cette croissance, le développement et l'emploi des jeunes rencontrent beaucoup de difficultés compte tenu de l'absence d'infrastructures. C'est pourquoi la CEDEAO a estimé qu'il était important de voir les voies et moyens pour renforcer nos efforts dans le secteur de l'énergie, des transports, des télécommunications et des ressources en eau. La CEDEAO a décidé de mettre en place ce fonds qu'on appelle le FODEP, qui sera alimenté par un prélèvement sur les ressources d'exportation des hydrocarbures, des mines et de l'agriculture. Donc, ça a été déjà recruté, qui a fait une étude qui a été soumise à l'ensemble des pays pour leur permettre de mettre appropriation de ce projet si important. Cette réunion avait pour objet de recueillir les avis et les recommandations des pays membres de la CEDEAO sur ce projet si important.